La communication du président de la République, chef de l'État, portait sur 4 points principaux, à savoir 1. De la prise en charge humanitaire des déplacés dans les provinces de Maïndombe, Kwilu et Kwango. Les conflits yakateke qui couvent depuis plus d'un mois dans les territoires ont pris des proportions inquiétantes avec des pertes en vies humaines et matérielles. Le président de la République a aussi tenu à lancer un vibrant appel au calme à l'ensemble de la population du Grand Bandundu qui l'exhorte à redoubler de vigilance pour dénoncer tout acte susceptible d'exacerber le conflit. Le président de la République a en outre encouragé le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale d'activer rapidement un plan de gestion des flux migratoires et impacts sociaux comme réponse rapide et efficace pour une prise en charge d'urgence. Il a été aussi chargé de lancer sans délai une campagne de solidarité nationale en mettant à contribution la société civile pour la sensibilisation de la population à cultiver la paix dans ces coins de la République. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, les ministres de la Défense nationale, à travers leurs services spécialisés sous les supervisions du Premier ministre, ont été chargés de documenter des faits infractionnels sur l'ensemble du périmètre concerné de la zone de conflit et d'accélérer les rétablissements partout de l'ordre public. Deuxième point de la communication du président de la République, de la rationalisation de l'action de la justice dans le renforcement de la gouvernance publique et de l'état de droit. Le président de la République a rappelé, comme souvent dans ses communications, les rôles pivots reconnus à la justice dans l'architecture institutionnelle de notre pays. Il lui revient de constater que loin de se relever de ses faiblesses, pour l'instant, notre justice va encore mal, s'invitant sur les bancs des accusés, à la grande incompréhension et désolation de notre peuple. Chaque jour, dans tous les coins du pays, le peuple assiste abasourdi, scandaleusement, à des actes ou comportements de certains acteurs judiciaires, ainsi qu'à des actions ou décisions judiciaires à la limite du hasard et de la théâtralisation de celles-ci, creusant davantage la méfiance devenue légendaire entre les peuples et la justice. Au regard des dysfonctionnements relevés tant pour ce qui concerne la justice pénale, la justice civile ou administrative, qui sont la voie qui mène à la justice, est assimilée à tort ou à raison à une véritable chemin de la croix. Dans cet environnement, le Conseil supérieur de la magistrature devrait se mobiliser pour relever efficacement les défis de la régulation administrative et disciplinaire de la magistrature. C'est une interpellation du président de la République. Le président de la République entend aussi y veiller dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, car face à une telle situation, c'est lui qui devient, pour la population en danger et désespérée, comptable ou coupable de cette inaction ou de l'action désarticulée de la justice. Sans enfreindre l'indépendance constitutionnelle du pouvoir judiciaire, qui, bien plus qu'un droit exclusif pour le magistrat, est une garantie reconnue pour les justiciables d'avoir une justice impartiale. Le président de la République a chargé la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, de travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature en activant la passerelle légale du cadre de concertation prévu à l'article 17 du règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature afin de proposer une série de pistes de solutions rapides. Autant que l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires, comme instrument d'accompagnement du ministère de la Justice, est appelé à jouer son rôle de manière efficace. Il va sans dire que si le problème est structurel, une évaluation s'avère capitale et doit conduire à une révisitation de mécanismes légaux ou même institutionnels afin d'insuffler à la justice un souffle nouveau.